Good morgen, allez, il est sur aujourd'hui le Nishmat, Janine Ruth, Bad Fortune, Mazal Fridna, Léa Chayabat, Mazal Tov, Lucien, Bad Rina, et Claude Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous, c'est une Masechet Gittin, Perek Vav, Mishnah Gimel, Ktana Sheamra, Hit Kabel Ligiti, Eino Get Achi Yagia, Get Leyada. Lefika Achim Raza, Abal Ala Chazor, Yachazor, Sheen Katano Se Shaliach, Avalim Amar La Avia, Avalim Amar Lo Avia, Tsevit Kabel Lebiti Gita, Imratza le achazir, lo yachazir. Aomer, ten getze le ishti, bimkom ploni, ou netano la bimkom acher. Posul. Arei bimkom ploni, ou netano la bimkom acher, kasher. Aisha shamra hitkabel ligiti bimkom ploni, ve kiblo la bimkom acher. Posul. Rabbi Eliezer marchir, ave ligiti bimkom ploni, ve violo bimkom acher, kasher. On a deux sujets dans notre Mishnah. Toujours en rapport avec la Shlichut, bien évidemment, c'est depuis le Perek Givav, on a commencé fortement les halachot de Shlichut du Get, c'est-à-dire de envoyer ou recevoir le Get par l'intermédiaire d'un émissaire, avec la question des deux premières Mishnayot qu'on a déjà vues. Est-ce qu'une fois que le mari a donné le Get, s'il regrette de le divorcer, est-ce qu'il peut appeler le Shaliach, l'émissaire qui est venu recevoir le Get, ou non? On avait fait une différence fondamentale selon la définition exacte du chaliach. Est-ce qu'il est le chaliach de la femme ou le chaliach du mari? Soit le mari, lorsqu'il envoie un chaliach pour apporter son guet à sa femme, lui il habite en France, il a sa femme en Israël, il veut la divorcer, il lui donne un guet, et il va nommer un chaliach holacha pour porter le guet à la femme. Alors, on considère que le chaliach c'est comme la main du mari qui se rallonge. Donc finalement, je veux donner un guet, et finalement je regrette, je rappelle ma main, et puis c'est bon, on n'a pas divorcé. Même principe, il a nommé le chaliach pour divorcer sa femme, et une fois, après une semaine, il rencontre le chaliach, il dit, c'est quoi, ne va plus, ne lui donne plus, je veux la garder, je vais revenir dans Israël, je vais vivre avec elle. Ça marche. Par contre, si le chaliach, c'était le chaliach de la femme, qu'elle a nommé en tant que chaliach Kabbalah, en tant que chaliach en émissaire pour recevoir le guet à sa place. Donc le chaliach, elle va devenir la main de la femme. Dès que le chaliach reçoit le guet, la femme, elle est divorcée, même si elle n'est même pas au courant. Il y a 4000 km, en ce moment, quelqu'un qui a reçu le guet pour elle, qu'elle avait nommé initialement. Alors, dès qu'il reçoit le guet, elle est divorcée, on ne peut plus rappeler la femme. Ça, c'était le principe général qu'on a commencé à voir sous plusieurs aspects, avec à présent un nouveau cas, que c'est, on avait parlé aussi dans la mishnah précédente, du cas de la petite fille qui s'est mariée. On avait vu une marloquette. Lorsqu'une fille, elle est mariée de Déhiroussin, elle était fiancée, par l'intermédiaire du père. Le père, il a le droit de marier la fille. On avait soulevé la problématique de savoir qui peut recevoir le guet. On avait vu que, selon Chachamim, le mari, comme la femme, comme la petite, peuvent recevoir le guet. Le père, comme la femme, comme la fille, peuvent recevoir le guet. Le père, parce que c'est lui qui, pour le moment, qui est le tuteur de sa fille, et qui, tant qu'elle ne s'est pas mariée à quelqu'un d'autre, elle reste sous sa tutelle, c'est lui qui décide avec qui la marier, et c'est lui qui reçoit le guet. Donc le père, il peut recevoir le guet. Et la fille elle-même aussi, elle a la possibilité de recevoir aussi le guet, parce que finalement, celle qui se divorce, comme on s'en a expliqué, que de toute façon, on n'a pas besoin d'un date pour divorcer, parce que le mari peut donner un guet malgré la volonté de sa femme, et de ce fait, il peut aussi donner un guet à sa femme qui est petite. Ça, c'est la donnée qu'on avait. Maintenant, on va maintenant compiler les deux, à savoir, lorsque la fille va nommer un chaliach pour recevoir le guet, est-ce que ça a une quelconque valeur? C'est-à-dire, une petite fille de 8 ans qui a été mariée demande à son grand frère, va chez mon mari, qu'il va recevoir le guet pour moi. Donc il va passer là-bas, il va vouloir recevoir le guet. La Mishnah va nous apprendre que ce n'est pas un bon guet, parce que la femme, elle n'a pas la possibilité de nommer un chaliach. La fille, elle a la possibilité de nommer un chaliach, elle n'a pas encore de date. C'est-à-dire la petite fille peut recevoir le guet, si c'est elle-même directement. Mais se dupliquer en demandant à quelqu'un d'autre de recevoir à sa place, elle n'a pas de date pour nommer un chaliach. Et la Mishnah me dit donc, « Ktana sheamra hitkabel ligiti » Une petite fille qui a dit à un chaliach, « Hitkabel ligiti » va me recevoir mon guet. « Eno guet achi agia guet leda » Ce guet qu'on va lui transmettre au chaliach, ne sera pas un bon guet, pour le moment, parce que la petite fille ne peut pas nommer un chaliach, mais malgré tout, achia get le yada, jusqu'à que le get arrive dans les mains de la fille, parce que quand le get arrivera dans les mains de la fille, ben il s'avérera que le chaliach, il deviendra par défaut l'émissaire du mari pour apporter le get.
le mari, qui est lui un adulte, il peut nommer un chaliar pour aller apporter un guet à sa femme qui est petite. D'accord? Les ficar, de ce fait, donc, si la petite, elle a envoyé un chaliar, elle avait son grand frère pour recevoir le guet du mari, eh bien, ce ne sera pas un guet, et non guet, chez un guet, les yada, ce ne sera pas un guet, puisque le guet arrive dans sa main. Les ficar, de ce fait, imratza abal, la chazor, yachazor. Si le mari, une fois qu'il a donné le guet au chaliar, il regrette et finalement il ne veut plus divorcer sa femme, la petite fille, eh bien, il pourra revenir en arrière. Pourquoi ? Shen katan osa chaliar. Parce qu'un petit enfant ne peut pas faire un chaliar, donc le chaliar ne peut pas être chaliar. Kabbalah, le chaliar, l'émissaire pour recevoir le guet, il sera nécessairement l'émissaire pour porter le guet à la fille, par le mari. Aval, im amar la avia, im amar lo avia. Par contre, si c'est le père qui a nommé un chaliar, il lui a dit, tsevit kabbali le biti gita. C'est Eva et va recevoir le guet pour ma fille. Eh bien, dans ce cas-là, Imratza le Chazir, lo Chazir. Si jamais, une fois que le mari va donner le guet au chaliar, il ne pourra plus revenir en arrière. C'est trop tard, la fille, elle a déjà été divorcée. Deuxième sujet dans notre Mishnah. Aomer ten genze le ishti bemakom ploni o netano la bimkom acher. On a maintenant un chaliar qui en fait un petit peu qu'à sa tête. La femme qui a dit à une femme, à un mari, on va commencer par le cas du mari, ou qui dit, le mari qui dit au chaliar, va donc donner ce guet-là à ma femme, bimkom ploni, et elle se trouve en ce moment, elle est là-bas, à tel endroit. On est en bimkom acher, et il lui a donné un autre endroit, et bien, le guet est invalidé. C'est-à-dire, je m'explique, c'est très simple, moi, j'ai décidé que ma femme, je nomme un chaliar pour aller porter le guet à ma femme lorsqu'elle est dans la maison. Je ne veux pas qu'elle soit à l'extérieur, je ne veux pas préciser. Donc j'ai dit que je veux que ce soit là-bas, comme ça, va donner le guet à ma femme qui est à la maison. Alors dans ce cas-là, s'il va le donner ailleurs, eh bien il n'est plus chaliar, olacha, parce que c'est plus dans ce cadre-là, il n'a pas été nommé chaliar, il est chaliar que pour le prendre de là-bas, pour l'amener jusqu'ici, à cet endroit-là. Et pas autre chose, il ne peut pas, d'accord? Par contre, arehibim komploni, par contre s'il lui dit, va voir ma femme qui est en ce moment à tel endroit pour lui donner son guet. Et lorsqu'il est parti, il n'a pas trouvé la femme, il est parti chercher, il l'a trouvé ailleurs dans un autre quartier. Eh bien, on est là ben mokom acher, et il lui a ensuite donné un autre endroit. Faites attention, il n'a plus dit, donne ce guet à ma femme à tel endroit. Mais j'ai dit, donne ce guet à ma femme, elle est en ce moment dans tel endroit. Dans ce cas-là, kacher. Dans ce cas-là, le guet, il est validé. Parce que lorsqu'il lui a dit, elle est dans tel endroit, ce n'était pas qu'il comptait qu'il avait une kpeda de le donner à cette place-là et pas à cette place-là, parce qu'il y a des gens là-bas qui vont se moquer de lui ou quoi que ce soit. Il avait, sa seule motivation, c'était d'alléger la tâche au chaliar, qui trouve facilement sa femme. Elle lui dit, apporte le guet à ma femme. Logiquement, tu la trouveras là-bas. D'accord? Maintenant, Aïcha Shamra, même principe avec la femme cette fois-ci. Aïcha Shamra, une femme qui a dit, Itkabel Igiti Bim Komploni, va donc recevoir mon guet à tel endroit. Vekiblola Bim Komacher, et il est parti, il a reçu le guet à un autre endroit. Vasoul, le guet il a validé. Ok? Parce que il n'était pas à Chaliar pour aller recevoir le guet dans un endroit qu'on n'a pas dit. Le cadre de ta Shlichut, c'est là où je t'ai dit d'aller. Tu ne commences pas à faire des pilpoulis pour expliquer pourquoi même ailleurs c'est aussi bien. Je t'ai dit de partir là-bas, tu ne vas pas ailleurs. Et Rabbi Eliezer, marchant malgré tout, Rabbi Eliezer, il va tolérer le guet. C'est lié en rapport avec Rabbi Eliezer qu'on avait vu au-dessus, qu'un homme, il peut divorcer sa femme, Balkocho, d'après tout le monde, mais que dans ce cas-là, on n'interprète pas que l'endroit qu'on lui a dit, c'est de la psychologie. Puisque la femme, elle sait que de toute façon, le mari peut les divorcer à n'importe quel endroit, alors, dans ce cas-là, lorsqu'elle lui dit « va recevoir mon guet à tel endroit », on interprète sa phrase qu'en réalité, elle ne l'a pas dit « va le recevoir là-bas ». Elle dit « va le recevoir » et « va là-bas » parce que logiquement, il est là-bas. Mais en fait, ça peut être exclusif que si c'est ailleurs, elle sera plus mauvaise rochette. Maintenant, « aveli giti mimakom ploni ». Donc la femme maintenant qui a dit « va donc m'apporter mon guet », elle n'a pas dit « va recevoir le guet à ma place ». Elle a dit « va te présenter au mari », c'est la troisième formule qu'on a vue, qu'elle va... Va te présenter à mon mari pour qu'il te donne le guet pour que tu me l'amènes. Voilà en deux mots. Haveli giti mi makompleni. Va donc me chercher mon guet qui est à un endroit. Ve viola. Et après, il est réellement. Donc, on a dit. Haveli giti mi. J'ai un peu perdu le fil. Haveli giti mi makompleni. Va donc chercher le guet de tel endroit. Donc, la femme, elle le nomme donc. Chaliar que le. Elle n'est pas chaliar qui va là. Il est chaliar que le mari va nommer.
Finalement, il est parti, il a trouvé ailleurs le mari, il a dit, donne-moi le guette de ta femme. Le guette, il est cachère. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, cette personne-là n'est pas du tout le chaliard de la femme. La femme, elle l'a juste présenté au mari pour qu'il ait quelqu'un de fiable pour lui apporter son guette. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la sarkakoltou.